Bonjour à tous, je suis Aline-Marie Christine Zomba, je suis humoriste et romancière. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et ceux qui me découvrent. Je vais parler aux jeunes homosexuels africains, en particulier ceux du Cameroun. Pour vous dire que vous devez savoir que chaque métier a des professionnels. Les professionnels, ce sont ceux qui ont de l'expérience, de l'expertise. C'est-à-dire qu'ils sont dans le métier depuis longtemps. Quand vous êtes tout jeune apprenti, vous devez les contacter pour qu'ils vous disent comment se passe le métier, pour qu'ils vous donnent des petits secrets, des codes, pour que vous puissiez aborder le métier sans problème. Quand vous voulez donc faire la danse anale, l'homosexualité, vous ne contactez pas les professionnels, par exemple les petits Camerounais. Il y a des homosexuels Camerounais depuis très longtemps. Ils ne tombent pas malades. Ils sont toujours souriants et en bonne santé. Pourquoi vous n'allez pas vers les professionnels de la profession pour leur demander ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade et mourir comme des mouches? Vous abordez le métier comme des amateurs, comme des ignorants, des analphabètes. Vous voyez les problèmes que vous avez et ça va continuer. Toi, jeune garçon, tu entends que quelqu'un s'appelle killer. Killer, ça veut dire tueur. Tu pars kounya kounya. Tu pars, tu commences à faire la danse anale avec lui. Est-ce qu'il va rigoler avec toi dans ta boîte à caca? Il ne va pas blaguer avec toi. Hein? Parce que lui, il t'a déjà dit qu'il s'appelle Killer. Ne blaguez pas avec les prénoms. Je vous ai déjà dit ça. Vous blaguez beaucoup avec tout. On vous donne les conseils, vous n'écoutez pas, vous ne lisez pas, vous ne faites rien. Mais vous voulez faire des choses et des choses qui vont vous dépasser. Vous allez trouver la mort. Vous ne prenez même pas le temps. Ils ont mis à vous dire, bon, ne fais pas vous aider depuis, mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Ils sont en bonne santé, ils sont au feu. Ils sont même déjà en train de vieillir dans les métiers. Ils font la danse anale depuis. Vous les sautez, vous abordez le métier, vous ne lisez pas le lexique. Chaque métier a un lexique. Et voyez les professionnels. Pour ceux qui ont ambition de commencer dès demain, allez voir les professionnels du métier. Ils vont vous dire comment ça se passe. On ne veut pas vous ramasser comme les mouches parce que vous êtes la relève. Il y a la notice dans chaque métier, mais là, apprenez à lire. Ce qui est mis à boire des métiers dans la sauvagerie, l'analphabétisme, l'amateurisme. Mi wol mora ni ka balo enu wo bot unga ka borde nya unga tone e wo ngwa iyo nga nyi ni wosu tu tone bo fianga ka ndamen awe parce que ni a ke o ka nu zodi en na wo bot u don unga tone wo bo fianga comme vous n'écoutez pas vous n'écoutez pas quand vous donnez les conseils vous n'écoutez rien vous abordez les choses comme ça tant pis pour vous. Je vous préviens donc, bon, mia kane, vous voulez danser la danse anale. Mia yin mia zaman gargo zout. Mais non, après. Mais non, mon conseil. Ah, il faut voir mes siècles depuis. Parce que t'as l'oué. Bon, nous, ouais, bah, vous essayez depuis. Mais tu quoi? Mais bah, quand même, quoi bien? Ma maman est yémen. Mais quand même, quoi bien? Ma quoi bien? Parce que ma yikin m'a ouan bidou. Ban bang benan mina. Ban bindoun. Minga que bo bien mi. Mora mansour na onga kano ke zeme benyaboro. Nga wa ke babisou tsoué. Bonne journée. Quand tu sais que tu as. Ta boîte à caca est petite comme ça. Tu peux jouer avec les professionnels. Tu ne commences pas avec les amateurs. Hein? Il faut regarder aussi vos gabarits. Tu es mince comme ça. Tu vas chercher un colosse. Il va t'écraser. Il va t'écrabouiller. La boîte à caca. Moi, je suis direct. Je dois vous dire ça comment? En anglais. When I'm speaking English, when I'm walking, quand je veux parler l'anglais, tu vas comprendre. Bon, moi je dis au revoir. Au revoir. Mais qui y a?